call in sick on Monday. Super Bowl 54 will air on her sister station, AM 570 LA Sports. I will be here Monday. Hope you guys will too. For sure. Jill just started talking about, oh, my throat's a little off today. Oh, no. You're catching on. Yeah, we caught on to it. Nice try. 622, it's my FM. Take a seat. Right over there. Sat on the stairs. Stay, leave. Alors, bonjour, bonjour, bonjour la famille, bonjour, bonjour à toutes les personnes qui suivent Plus que Vainqueur, voilà, à toutes les personnes qui suivent Herman, bonjour, bonjour à tous. Voilà, attendez que je... Attends, je vais... voilà, un peu de feu de détresse, là, on va bien régler ce truc-là. Pourquoi ça se tord comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le froid nous fatigue ici, oh, le froid, le froid, le froid, le froid, le froid. On y va, c'est parti. Salut, salut, voilà, le jour n'est pas encore bien sorti, voilà, mais quand même, voilà, comme il fait noir dans la voiture, je préfère vous montrer dehors. Voilà, le jour n'est pas encore bien sorti, avec les brouillards et tout, tellement il fait froid. Alors, je voudrais partager avec vous, donc, le thème que vous voyez, pardon. Si tu n'es pas prêt ou si tu n'es pas prête, il ne faut pas te marier. Pardon. Pardon. Si tu n'es pas prête ou si tu n'es pas prêt, sérieusement, hein, ça je le dis vraiment parce que, vous savez, notre inbox est remplie de messages. Les gens nous écrivent un peu. Voilà, nous avons fait nos preuves sur les réseaux sociaux. Surtout à tous les niveaux. Voilà, et les gens nous écrivent et... C'est parce que nous ne faisons pas comme les autres pour vous faire écouter les audios de détresse. Les gens sont en détresse et toi, pour te lancer, tu vas faire écouter les audios des gens, des détresses, des gens comme quoi on vient se confier à toi. Mais le fait de se confier à quelqu'un n'est pas Eldorado. C'est le fait de résoudre ou d'apporter des conseils qui vont permettre à ce que la personne, sa vie change. C'est pourquoi nous ne passons pas notre temps à faire écouter ce que nous recevons des gens. Voilà. Et quand c'est comme ça, les gens auront confiance pour encore venir nous soumettre et nous parler de leur vie pour que nous puissions les aider dans la prière et autres. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais vous dire que au vu et au su des témoignages et des gens qui se sont mariés, beaucoup dans la précipitation, aujourd'hui, la plupart regrettent. Ça, je vous le dis, hein. Les gens disent, non, Herman, maintenant, tu es aux États-Unis, tu peux maintenant te chercher une fille ou bien te chercher une fiancée ou bien essayer de te marier. Même le pasteur Moïse Mbillé, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, le pasteur Moïse Mbillé, qui a une église de combien de 1000 personnes, qui est connu, fatigué, ce pasteur-là, à qui... Même, on peut même vous dire dans le monde, il y a au moins 10 000 femmes qui aimeraient le prendre pour époux. C'est-à-dire, c'est les gens à leur niveau, ils n'ont plus besoin de draguer. Voilà, lui, il n'a même plus besoin de draguer même. Même s'il dit, ma soeur, viens, viens t'épouser. Il doit calculer mes tasses, hein. Attends, après, venez me renseigner. Ben, là, il faut calculer les taxes pour voir si tu dois à l'État, mais c'est l'État qui te doit. Mais nous, on n'a aucune dépense là. Quand tu n'as pas de dépenses, l'État prend ton argent. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de femme. Voilà. Donc, l'État va dire, mais alors, mon petit, hein, tout l'argent, tu vas faire quoi avec ça? Donne-nous ça ici. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que si tu n'es pas prêt ou prête, il ne faut pas te marier, ma soeur. Je vais vous paraphraser le témoignage que j'ai reçu cette nuit. Un jeune frère, un petit frère d'ailleurs. Il a 28 ans. Ils vont dire, mais c'est qu'Herman, il est âgé. Hein? Ah, mais oui, je suis pas un enfant. Hein? Les gens pensent que c'est aujourd'hui qu'on a mangé janvier. Il a 28 ans. Aujourd'hui, il a 28 ans. Le frère pleure, mon frère. Sa femme lui fait souffrir. La petite fille là. Le frère t'entend de pleurer. Le frère t'entend de pleurer. La fille là, elle, ça dit... Il croit pas que c'est la même fille avec laquelle il était dans leur fiançailles, quand il n'était pas encore marié. Il ne croit pas que c'est la fille là qui se comporte comme ça.
C'est la fille là aujourd'hui qui connaît toutes les lois de Suisse. Vas-y, ils sont en Suisse. C'est un jeune frère, il est en Suisse, il s'est marié là-bas, bien, bien. Il allait prendre sa soeur, tout ça. Sa soeur, il veut dire sa soeur ivoirienne. Elle lui montre les mille couleurs. Et j'ai vu même sur les réseaux sociaux. Lui, il est dans le monde. Et puis, on dirait même c'est un musulman. Il a fait venir sa femme en France. Mais il voulait même se tuer. Hein. Il a même fait une vidéo où il dit qu'il était prêt à passer à l'acte. Il voulait se suicider. À cause de qui? À cause de l'affaire des mariages là. Vous comprenez? Ne vous pressez pas dans ce genre de choses. Moi, personnellement, mais je prendrai tout mon temps. Ne vous pressez pas. Je vous assure, mes soeurs, mon frère. Ne te presse pas. Et puis, c'est pas parce que la femme va te faire souffrir, mais le monsieur va te faire souffrir. Mais toi-même, tu n'es pas prêt. Ou le monsieur, toi-même, tu n'es pas prêt. Financièrement, d'abord, tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas prendre l'enfant des gens, venir la déposer chez toi, ok? Et puis ne pas t'en occuper. Ça, c'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Tu prends l'enfant des gens, elle mangeait là-bas. Où elle était chez son père, elle mangeait là-bas. Elle arrivait à se laver. Tu vas la mettre dans une maison où tu n'arrives pas à payer la facture d'électricité. Pour qu'elle puisse avoir la lumière. Tu n'arrives pas à payer la facture de l'eau. Pour qu'elle puisse se laver. Là, les choses élémentaires. Vous comprenez un peu. Même Dieu, même qui est au ciel, ne sera pas content de toi. C'est pourquoi. Voilà, il faut que vous me voyez bien. Ah, on peut me voir un peu, là, il y a un peu de lumière. C'est pourquoi je veux interpeller. Ouais, il fait froid. Attends, augmenter un peu ça là. Donne-moi une bonne chaleur là. Bah, il fait vraiment froid. Californie, décembre, novembre, décembre, janvier, février. Ah mon cher. C'est le froid, hein. À partir de mars là-bas, là, bon, c'est bon. Vous comprenez les frères? Donc si tu n'es pas prête, ma soeur, tu n'es pas prête à voir le visage d'un seul homme. Tu n'es pas prête à faire la cuisine. Tu n'es pas prête à être femme au foyer. C'est pas la peine. Le mariage là, quand tu te maries, tu es femme au foyer. Ah oui! Tu es femme au foyer. Quelqu'un va te dire, je n'aime pas trop cette jupe là, elle est trop courte. Il faut la changer. Voilà. Tu vas comprendre que ton corps là n'est plus pour toi seul. Parce que vous êtes un désormais. Donc il y a quelqu'un qui va te dire, j'aime pas trop cette perruque là, elle est un peu vulgaire. Tu n'es pas prête pour ça et puis tu te maries. C'est ça qui est la vérité. Et les gens sont étonnés d'être malheureux ou malheureuses dans leur mariage. Moi j'ai dit que cette année, je ne voulais pas prêcher. Oui, oui, je voulais seulement lire ma Bible. Parce qu'il y a longtemps, on prêche. Les gens ne changent pas. Ils sont sur les pages de buzz. Allez-y sur les buzz. Nous, on attend de construire notre vie sereinement et petit à petit et sérieusement. Tu n'es même pas prête quand on te donne des ordres. Tu n'es pas prête quand on parle. Même ton fiancé, là, quand il te dit, tu es fâché. Mais une fille, même ton fiancé, vous êtes fiancé. Il te dit que cette robe-là, je n'aime pas. Tu es déjà fâché. Bon, tu es sa femme, waouh, mais tu n'es pas sa femme. C'est ça que la vérité, on dit que tu es sa femme, comme vice versa, tu es son mari. C'est-à-dire moi là, quand je vais marier une fille demain là, je suis son mari, donc je suis sa propriété privée. Voilà, elle a le droit de dire que les chaussures que tu as portées là sont plus grosses que tes pieds. Ça te rend bizarre, je n'aime pas. Et comme c'est ma femme qui a parlé, je dois changer la chaussure. Est-ce que tu es prêt pour ça? Tu ne voulais pas, après vous rentrez dans le mariage, après vous pleurez. On ne se marie pas parce qu'on a maintenant un salaire. On ne se marie pas aussi lorsqu'on n'a rien. On ne se marie pas lorsqu'on n'est pas prêt en tout cas. Tu n'es même pas prêt de jouer le rôle d'une femme de foyer. Mais il faut aller jouer théâtre d'abord. Va jouer théâtre. Va faire un film où ils vont apprendre à te donner l'autre. Tu vas voir à quoi ça ressemble d'abord. Mais là, si tu es prête là, tu vas rentrer dans le foyer. Tu vas rentrer dans les foyers. Non, je ne lui ai rien fait, mais il ne m'écrit plus. C'est une jeune soeur qui parlait. Mon fiancé là, il ne me parle plus, il ne m'écrit plus. Mais il t'a observé dans le fiançailles. Si dans les fiançailles déjà, il voit que tu ne vas pas l'arranger, il va se chercher. C'est pas tous les hommes qui sont dans les coupés décalés. Hein? C'est pas tous les hommes qui écoutent coupés décalés. Il y a des gens qui sont en train de calculer leur destinée. Ils sont même en train de penser à leurs enfants, leurs petits-enfants.
Il ne va pas se mettre, prendre une femme qui ne va même pas élever ses enfants. Parce que nous, on est toujours dehors. Voilà, il est. Bon, ici, c'était à 5h, mais il est déjà 6h. Vous comprenez? Voilà, nous, on sort. On rentre le soir. Ça, je vis seul. Hein. Je vis seul. Imagine que je vis en famille, j'ai 3 enfants. Il y a fait 4 boulots ici aux États-Unis. Parce que de la manière la jeune rentre, là, c'est comme ça que ça sort. Voilà, moi, on m'a obligé à m'assurer. Moi, dès que moi, je tombe malade. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, là, vous avez vu, je suis tombé malade. Moi, je dis que je ne tombe pas malade. Mon corps, là, je le fatigue bien, mais je ne tombe pas malade. Moi, on me dit de payer assurance vie. Si je ne paye pas, je serai pénalisé. Que c'est la loi californienne. Tu es obligé de payer assurance vie. Ah bon, comment on appelle ça? Assurance santé, non? Voilà, assurance santé. Et c'est les payer. $120 par mois, je vous en prie. Même une maison moins chère. Mais mon entreprise McDonald's, on me dit de payer $166. J'ai refusé. Donc je suis allé quelque part là-bas, on appelle ça Oscar. Pour ceux qui veulent connaître le nom de mon assurance. C'est Oscar, c'est le prénom de mon père. Donc ça m'a plu en même temps. Non seulement ils sont moins chers dans la liste qu'on m'a présentée. Parce qu'on calcule ton salaire, on voit un peu tout, si tu es seul. Le salaire, il est peu. Mais comme je suis seul, on m'a donné une assurance qui est élevée. Vous comprenez? Voilà. C'est comme ça. Donc, ça, je suis seul. Hein? Mais ma seule personne déjà là, regarde l'argent qui sort. Louer maison, payer les billes, payer télévision. Même internet seulement que je paye là, c'est $70. Tu as payé gaz, tu as payé assurance de voiture, toi-même tu as payé ton assurance. Tu n'es même pas encore prêt. Tu sais ça là d'abord. Tu as pris l'enfant déjà pour venir mettre chez toi et tu as enlevé 3 enfants en elle et puis tu vas pas t'en occuper. Mais soyons sérieux. Donc je parle un peu de manière éparpillée pour donner un conseil à mes frères et soeurs sur cette page ou sur YouTube. Parce que je vais mettre la vidéo sur YouTube aussi. Oui, si tu n'es pas prêt là, pardon, faut pas te marier. Parce que c'est pas quand tu vas partir pleurer dans une bosse de pasteur que ta vie va changer. Hein. Pasteur t'a pas envoyé d'aller te marier. Hein. Ah oui! Et je dis toujours aux gens, ce n'est pas l'homme de Dieu qui exauce les prières, c'est Dieu qui exauce. Quand vous voulez prendre vos engagements, vous ne demandez pas à Dieu. Beaucoup de personnes n'ont même pas, dès que la fille est jolie, elle s'est embrassée, elle s'est caressée, ou elle s'est fait l'amour, ceux qui goûtent avant d'acheter là. Non, on n'achète pas poisson dans l'eau. D'accord? Mais là, le poisson que tu as acheté là, le poisson ne joue plus le rôle d'une épouse, tu es fâché. Parce que vous comparez l'épouse, vous comparez la vie de l'être humain à un poisson. Il faut goûter avant de manger. Un certain pasteur Gédéon qui enseigne ça, et puis les gens acclament, connaissent même pas la Bible. Les gens connaissent même pas ce que la Bible dit. Il prend un verset là-bas où la Bible dit que si quelqu'un sort avec une fille vierge qui n'a point connu d'homme, alors cette personne doit payer sa dot pour l'épouser. Mais c'est français qui est parlé. Ça ne veut pas dire avant de sortir avec une fille, il faut la goûter. Moi, je ne comprends pas. Ou bien comme je suis d'un pays anglophone, je ne comprends plus bien français. Et la Bible, quand vous lisez bien de la partie là, ce sont des lois complémentaires. On appelle ça des lois complémentaires bibliques. C'est-à-dire quand il y a une loi qui est fauchée, une autre loi vient arranger ça. Parce que c'est une manière de faucher la loi de Dieu lorsque tu sors avec une fille qui n'est pas ta femme. Donc, dès que tu es sorti avec elle, il faut l'épouser en même temps. Pasteur Gédéon prend ça en public. Et il vous dit que ça veut dire qu'on doit goûter avant d'épouser. Et puis je vois des nègres qui acclament. Comme s'ils ne comprennent pas français. Depuis que tu es né, tu parles français. Tu ne sais pas que le si, là, c'est une condition. Quand on dit si, c'est une condition. Ici, là, quand tu arrives dans un supermarché ou quelque part, il y a des parkings qui sont réservés seulement aux personnes qui sont boiteux. Et il y a un signe. Il y a un signe que tu dois mettre sur ta voiture qui montre que tu as un problème de santé, soit dans tes pieds, soit quelque part. Donc tu dois parquer là. Si toi tu te portes bien, que l'État californien ne t'a pas donné ce signe-là, que tu as garé là, on te donne un ticket de $250. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que ce parking-là, quand tu pars, quand tu te gares, on donne un ticket. C'est si tu n'as pas le signe, on donne un ticket. Mais c'est français. Alors, je vais laisser même cette histoire-là parce que, voilà, on n'est pas là pour ça. Mais je voulais dire, mais attends, c'est quand l'affaire d'embouteillage matin bonheur là. C'est ce que je voudrais vous dire. Si vous n'êtes pas prêt, parce qu'aujourd'hui,
j'ai parlé jusqu'à ce que j'arrive au travail. Voilà, donc on a encore le temps. Si tu n'es pas prêt, mon frère, il ne faut pas te marier. Parce que le mariage n'est pas un jeu. Ah oui. Ah, mon ami, il faut avancer, il y a place devant toi. Oh. Tu roules en dehors d'une femme. Oh. Moi, je n'aime pas changer de voix. Bah, les amis, ceux-là, ils roulent très mal. Pourquoi on froisse ta voiture ici? Désolé, il faut qu'elle calcule la route d'abord. Non mais les frères, voilà, c'est bien. Alors on va filer maintenant. Donc comme je le disais, ok, comme je le disais, si tu n'es pas prêt, il ne faut pas te marier. Parce que il suffit d'une seule personne pour modifier ta vie dans les deux bornes. Parce que la vie, il y a les bornes négatives et la borne positive. C'est comme ça la vie est. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Il n'y a pas milieu. La vie, là, il n'y a pas milieu. Vous comprenez? Tout ce qui n'a pas de vie, il peut avoir un milieu. Le chemin, ça n'a pas de vie, il aura un milieu. Un fer, un bas de fer, ça n'a pas de vie. Mais un tronc d'arbre, ça a une vie. L'arbre peut toujours grandir. C'est ça la vie. La vie n'a pas de milieu. La personne que tu vas épouser peut modifier ta vie, soit en te faisant basculer dans le coin négatif, en te faisant basculer dans le coin positif. Vous comprenez? La personne peut faire de ta vie un enfer ou un paradis sur terre. Je vous assure, les frères. C'est pourquoi moi, je prends tout mon temps. Ah oui, même si c'est à 35 ans, à 40 ans, dites tout ce que vous voulez. Si c'est à l'âge, je vais me marier là. Je préfère me marier à 35 ans, à 40 ans, que de me marier vite. Et puis après, je vais pleurer tout le reste de ma vie. Parce que moi, si je me marie, je divorce plus. Hein? Ah oui. Ah oui. Si moi, je me suis marié, je ne divorcerai plus. C'est la mort qui va nous séparer. Hein? Donc, ce n'est pas du jeu. Il faudra que je fasse très attention. Et j'aimerais rappeler aux personnes, vous qui êtes là, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont dans les fiançailles. Il y a des personnes qui sont à deux points de vous marier. Est-ce que tu es prêt? Le mariage est une bonne chose. Je ne peux pas vous mentir. Oui, parce que quand tu te réveilles, très souvent nous autres, quand on se réveille, mais la voiture qu'on a laissée au point mort et puis on dormait là, mais elle est en cinquième. Hein? Le levier est en cinquième. Tu es obligé même d'adorer le Seigneur pour partir. Et c'est naturel. Un vrai garçon, quand il se réveille le matin, il ne doit pas se réveiller de la manière qu'il a dormi. Sinon, tu as un problème de santé. Mais souvent, ça nous arrive. Tu te réveilles, tu es dressé. Hein? C'est pas comme si tu as pensé à femme. C'est naturel. Et puis, tu es obligé de dire alléluia, gloire à Dieu, oh, alléluia. Et puis, ça te rend compte, ça baisse. Vous comprenez? Souvent, tu as l'envie. Les hormones travaillent. Je ne peux pas vous dire que c'est faux. Souvent, là, nous tous, on a envie de se réveiller avec une princesse à côté. Quand tu tournes ta main comme ça, là, tu sais que tu touches une bonne chose. Hein? Ce n'est pas télécommande de télévision, tu touches. Mais moi, toujours, c'est avec ma télécommande, je me réveille. Quand il fait comme ça, la télécommande est là. Tu vois, j'oublie d'éteindre la télé. Et du coup, comme c'est automatique, quand ça met un peu de temps que... Bon, je pense que toutes les télés de la nouvelle génération, ça fait ça. Ça s'éteint seul au fait. Voilà, quand ça voit que tu n'as pas changé de chaîne, tu n'as pas mis de volume, tout ça, il s'éteint seul. Vous comprenez? Donc, ça nous arrive, tous ceux qui sont célibataires là. Même comme le disait le pasteur, j'ai posté la vidéo là sur ma chaîne, parce qu'il a fait une vidéo là. Le pasteur Moïse Mbié, il dit, il n'y a pas un seul jour où il ne prie pas pour son voyage. Il dit, vous tous qui êtes mariés aujourd'hui là, j'ai eu l'envie de me marier avant vous tous dans mon église ici. J'ai eu l'envie.
Mais il a expliqué pourquoi il freine. Et c'est très important, les frères et sœurs. Quand ce jeune homme de la Suisse est venu m'expliquer son problème, comment vous êtes à table? Et elle prend la table, elle renverse la table. La sauce, la nourriture, tout est versé. Là, elle est fâchée comme ça. Hein. Voilà la femme que tu as mis dans ton foyer, mon frère. Et puis, vous êtes un pays de blancs. Tu vas assumer. C'est pas en Afrique où on divorce bêtement et puis il n'y a rien. Tu es un pays de blancs. Tu vas vouloir divorcer là. Tu vas assumer. Elle peut même te mettre dehors. Voilà le problème que tu as eu. Faites attention, les frères et sœurs. Je vous assure. Faites attention, je vous en prie. Je vous en prie. Ne vous pressez pas. Apprends à le connaître. Tu ne sais pas qui il est. Il y a des gens là, quand ils te draguent là. C'est un beau parleur. Mais tu ne sais pas qui il est. Continue de prier. Pardon. Un petit signe doit te confirmer. Un petit, même si tu n'es pas spirituel, un petit signe doit te confirmer d'abord. Il y a quelque chose qui doit te prouver que oui, c'est lui ou c'est elle. Il ne faut pas partir de manière charlène parce qu'il parle bien. Parce qu'elle sait caresser. Elle sait faire l'amour, ce qui goûte là. Ou bien, elle s'est fait tant, elle s'est fait tant. Moi, j'ai toujours dit que faire l'amour dans la vie plusieurs fois et rentrer dans un mariage, c'est dangereux. Parce que tu peux tomber sur une fille qui a connu des garçons, mais qui font 20 heures au lit. Elle a toutes les garçons, tous les garçons qu'elle a connus, là, c'est les garçons qui prenaient Viagra. C'est les garçons qui ont pris Aphrodisiac. Parce que maintenant, là, une fille, quand tu fais 5 minutes, 10 minutes, elle va dire salut ton nom. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la personne, aucun homme dans le monde, bien sûr, ou je ne sais pas, mais aucun homme ne veut pas qu'une fille salisse son nom. Donc, ils prennent des Viagra pour venir se coucher sur vous. Donc, le nez est travaillé. Donc, il peut faire 30 minutes non-stop. Et demain, quelqu'un qui va se coucher sur toi normalement, qui va se débrouiller pour faire ses 15 minutes ou ses 10 minutes, tu vas trouver qu'il ne vaut rien. Et à cause de ça seulement, le mariage va mal fonctionner. Parce que tu as pris le temps de connaître beaucoup d'hommes. Des tournées de porno sans caméra. Parce que quelqu'un qui fait l'amour pour durer, c'est lui qui fait l'amour seulement pour durer. Même le plaisir là, c'est pas son problème. Il veut seulement durer sur la fille. Mais c'est ce qu'on appelle pornographie. La pornographie là, il faut sortir avec la personne et puis tu dures. Si tu fais 2 minutes, tu vas pas être un bon acteur porno. On va pas donner bon argent. Donc il y a des tournées de porno avec lesquels vous sortez. Ils ont appris à contrôler, ils ont appris à mettre des médicaments dans leur nez. C'est ça qui est la vérité. Et demain, tu vas épouser quelqu'un qui n'a jamais connu ça. Ou bien qui n'a jamais connu femme même. Ou bien quelqu'un qui a toujours eu des rapports sexuels de manière normale. Il fait ses 10 minutes, ses 5 minutes. Déjà, il est déjà arrivé à Canada. T'as les gars, salut son nom, mon mari vaut rien. Il ne tue pas au lit. Mon mari... Mais allez-y, fais la médecine. On fait combien de minutes au lit? On fait combien de minutes? Si c'est trop, c'est 10 minutes. Ou même, c'est Tarzan. Les gens prennent des atotés, des racines. Ils s'en vont dans la brousse, ils sont devenus des chercheurs. Oh, les gens ne font rien. Hein? Les frères, il y a trop de choses dans cette vie là, faites attention. La police cherche quoi ici, Matin Bonnet là? Ce carrefour là, toujours à la police, c'est comment? Donc, les frères, comme je suis arrivé. Je suis à 1 minute, le GPS me dit 1 minute. La route là, je connais par cœur, mais comme il y a GPS, quand il Mercy Drive, GPS actionne en même temps. Donc je dois mettre une destination. Donc toujours, je mets au boulot. Donc les frères, vous comprenez de quoi je parle? Que Dieu vous bénisse. C'est un bon vendredi. J'ai voulu vous laisser un petit message. Voilà. Et je suis très content d'avoir parlé de ce thème. Faisons attention. Oui, faisons attention. Voilà, ne te presse pas. Hein. Tu peux te presser dans tout, sauf dans mariage. Voilà. Parce que c'est avec la personne que tu vas te réveiller chaque matin. C'est avec la personne que tu vas manger à chaque fois. Si un couple normal, les deux doivent manger ensemble. Je ne veux pas que tu sois dans un couple où la femme, quand elle finit de préparer, le temps, elle a fini de servir, elle a fini de manger. Telle mère ne veut pas voir ton crâne. Elle mange et puis elle dépose ta nourriture là-bas. Ta nourriture est là-bas. Hein. Non. Une femme, même si tu es au travail, elle a fini de préparer.
elle a servi et puis elle attend. Elle ne mange pas, elle attend son mari. Elle a faim, mais elle attend ce que son mari rentre du boulot pour manger. C'est ce couple-là que je vous souhaite. Vous comprenez? C'est ça que la vérité. Elle doit prendre une décision. Mon ami. Faut venir cogner. On n'a pas dit souvent, vous êtes bizarre. Faut venir cogner. En garer là, non? Jusqu'à le soir. Tu as me donné l'argent matin bonheur là. Assurance qu'elle suit voiture là, tu connais ça. Alors les frères, donc, vous voyez, c'est un peu ça. Je vous souhaite un bon couple. Hey, qui est venu garer Jaguar ici matin bonheur là? Les gens, arrêtez ça. Nous on est dans notre Toyota ici. Je n'aime pas quand les gens font les choses comme ça. Hein? Matin bonheur, quand tu viens garer Jaguar? Pourquoi tu viens garer Jaguar? Oh. Caméra là aussi là, souvent ça trompe, hein? Donc il faut regarder avec tes propres yeux, parce que souvent caméra là, ça montre que c'est petit, mais oh, maintenant je fais plus de trucs avec caméra seulement. On regarde la caméra et puis on regarde avec nos vrais yeux. Non les amis, vraiment, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil, hein. Garer en marche arrière là même là, c'est pas facile aussi, hein. Excuse-moi champion, toi tu vois que c'est en train de garer, non? Tu es pressé là, tu fais jeu de phare. D'après les Bakaman au pays, faut t'envoler. Hey, Côte d'Ivoire, les Bakaman. Il dit faut t'envoler. Voilà, je suis arrivé. Très bien. J'ai encore 9 minutes. Voilà. Donc vous avez compris. J'espère que vous avez compris. J'espère vraiment que vous avez compris. Je vais télécharger la vidéo et la balancer aussi sur YouTube pour que mes abonnés YouTube puissent aussi recevoir ce message. J'espère vraiment que vous avez compris. Si tu n'es pas prêt, quand tu sais que tu es prêt et que tu es prête, tu peux maintenant te marier. Tu veux même pas qu'on te donne. Tu veux même pas que. Même quand le gars donne son avis, tu es fâché. Donc tu as dit que moi là, je n'ai pas un bon goût. Donc moi là, je ne sais pas choisir mes habits. Aïe. Mais quand tu portes ta habit là, il y a un proverbe, je ne sais pas c'est quel proverbe, mais il y a attention quelque part. On dit c'est la personne. Oh, comment on dit ça même? Oh, il y a un peu oublié. Mais c'est la personne qui te regarde là, qui est en face de toi là, qui sait que ton habit est acheté. Voilà. Quand ça est dans le mannequin là, c'est joli à tes yeux. Mais quand tu portes là, c'est pas le même corps. Tu n'as pas le même corps que le mannequin. Là où tu as enlevé, où tu as décroché l'habit. Ton mari ou ton fiancé a le droit de dire, ma soeur, ça là, ça, c'est pas trop intéressant. C'est nous, on doit vous apprécier, non? Mais tu veux même pas qu'on te donne ordre. Même pour donner notre avis, tu veux pas. Mais tu n'es pas encore prêt, toi. Parce que dans le foyer là, ton mari peut te dire faut pas sortir. Et puis tu dois pas sortir. Pas parce qu'il est dictateur. Ou pas parce qu'il veut, il veut te commander. Mais il veut te, comme les gens exagèrent. Mais c'est ton mari. Tu dois prendre ça selon laquelle selon la, tu dois prendre l'affaire selon laquelle mon mari ne veut pas que je sorte aujourd'hui. Voilà. Et aller demander à ton mari, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi? Faut pas le dire, moi je vais sortir, tu sors pas, je vais sortir, tu sors pas, je vais sortir, tu sors pas. Tu casses la télé. Tu balances les casseroles. Après, c'est vous encore, vous allez aller acheter télé. Non, tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête, hein? Oh, tu n'es pas encore prête. Et de s'y croire quand tu es chrétienne, là c'est grave. Parce que la Bible même nous donne beaucoup de prérogatives. Oui, c'est parce que nous les hommes de Dieu, la plupart, on a voulu mettre un peu bas la terre. Sinon, si on veut regarder ce que la Bible dit là. Même Sarah appelait son mari mon Seigneur. Mon Seigneur. La Bible dit l'homme est le chef de la famille. Un chef là. Il n'y a pas un mot qui va diminuer ce mot chef. Là, là, dès que je vais rentrer là. Moi-même là, voilà ça ici. Je suis manager. Je suis aussi chef. Mais quand il est rentré, je vais trouver un autre chef qui est plus gradé que moi. Quand il me dit va là-bas, je m'en vais. Quand il me dit viens ici, je m'en vais. Il n'y a pas. Chef, c'est chef. Même le mot hébraïque. Ils ont traduit par français chef là, ça veut dire chef. L'homme est le chef de la famille. Aïe. L'homme est le chef de la famille. Tu n'es même pas prêt quand on te donne ordre. Et puis tu es marié. Mais on n'aime pas trop durer dessus parce que certains hommes voilà, profitent de ça pour maltraiter nos soeurs. Et ça, c'est pas normal. C'est pourquoi la loi européenne et occidentale donne beaucoup de pouvoir à la femme. Parce que dans l'étymologie, la femme. Donc, est une bénédiction.
On ne doit pas jouer avec la femme. C'est la dernière créature de Dieu. Voilà. Donc, c'est important. OK? Que Dieu vous bénisse et que sa grâce ressorte avec vous. Je pense que je suis arrivé, mais il me suffit juste de changer de chaussures. Puisqu'on ne porte pas les mêmes chaussures. On ne porte pas les mêmes chaussures pour rentrer au travail là-bas. Il y a des chaussures typiquement pour le boulot. Je vais aller prendre ça. Et puis, je vous dirai bonne journée à vous. Voilà, parce que nous, c'est maintenant, on commence là. Hop là, voilà, donc vraiment merci les frères. J'espère que le message là, vous l'avez entendu et que vous l'avez compris. Voilà, ne vous pressez pas de vous marier, je vous en prie. Prenez tout votre temps. Quand vous savez que vous êtes prête et que vous êtes prêt, en tout cas, mariez-vous. Voilà, mariez-vous et puis assumez votre couple. Moi, je ne vais pas rentrer dans un couple où je serai obligé d'aller expliquer ma vie à tout le monde. Jamais. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, prenez votre temps. Mais si moi, je dis que j'ai épousé une fille, on est ensemble, hein? Non, on est ensemble. On va s'arranger. Même si c'est comment, on va s'arranger. C'est ça que la vérité. On va s'arranger, hein? Amen. How's everybody? You start at 7 like me? Yeah. Oh, yeah. I think today we're going to get inspected, man. What? I think today we might be inspected. Because it's a Friday. Remember, they hit La Paz on Friday. Everything's got to be good. Yeah. Oh, I forgot my towel. But it's good, it's good. It'll be good. Yeah. We're all good. Everything's good. You just got to make sure. Little things. This is clean. Uh-huh. Do this, do that, and everything. It'll be great. Yeah, okay. Hey! Señorita! Buenos días! Hey, Pepe! Because when they do that, it only has to come early. Like, it has to be like 5. Oh, really? Yeah, because she has to check everything. So please keep in mind that this video is being filmed on January 28th.